bonjour Voldemort qui s'incruste dans ma vidéo. Yo, j'espère que vous allez bien les citrons. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations comme d'habitude pour m'envoyer un screen avec un bug des situations de MSP. Le mail est dans la description et pour les messages, bah, c'est sur les situations sur MSP directement. Et c'est parti, on part d'abord sur les screens. Pour le premier screen, au début j'ai pas capté tout de suite parce que je me suis focalisée sur le visage à droite et je me suis dit mais c'est quoi le problème, enfin pour moi ça a l'air normal, tout va bien, jusqu'à ce que je constate que il y a un souci à gauche. J'avais pas vu qu'il y avait un deuxième cercle bleu juste à gauche. Effectivement, il y a un petit problème avec l'œil qui part en cacahuète, quoi. On dirait un peu, vous savez, comme les poupées et qu'ils ont les yeux qui bougent et il y en a une qui est cassée. Enfin, un des yeux qui est cassé, ça m'a fait penser à ça. Ensuite, j'ai reçu des messages, du coup. J'ai que regardé le premier screen, il m'a fait beaucoup rigoler. Du coup, je me suis dit, je vais voir un petit peu la suite avec vous en direct. Donc... Déjà, le mec qui s'appelle Roger Le Chaud. Hashtag soutien Titi pour ceux qui se rappellent. Hein. D'ailleurs, dites-moi si vous vous rappelez, vous connaissez la référence. Et du coup, Roger Le Chauve qui dit « Coucou joli papillon égaré dans ses skates ». Alors je pense qu'il voulait dire dans le skatepark, peut-être rencontré au skatepark dans le chat. « Tu es très beau en rose ». Et là, elle répond « Coucou joli petit chauve qui ressemble à Monsieur Propre ». Et là, il répond « C'est un compliment ? Oui, Monsieur Propre est trop swag ». Et là-dessus, je la découvre. T'es très belle, chérie des îles paradisiaques. Juste pour ton info, je suis skateuse. Je sais. Bah comment? Tu es faite pour moi. Quel charisme. Et là, elle m'a dit un petit message coucouquin. Je sais pas si je vais passer une vidéo, mais en tout cas, j'étais pillée de rire. Mais t'inquiète que moi aussi, je suis pillée de rire. Est-ce qu'il y a une suite ou pas? Ah oui, 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 je suis ton homme. Tu es mon monsieur propre. Oui, et je t'aime ainsi. Bon, j'espère que ton monsieur propre, il nettoie ta baraque, genre. Et elle demande si tu m'autorises à envoyer à Quinzel. Oui, merci, Dorian ma belle. Merci, je fous ton nom ou non? Je pense que non, parce que du coup, il a affiché. Non, ça va, t'inquiète. Merci, monsieur propre. Dorian, Pauline. Oh, mais c'était tellement courtois, en fait. Je m'attendais peut-être qu'à un moment donné, ça parte en cacahuète, hein, on connaît les bails. On a l'habitude des gens un petit peu pervers dans les chats qu'on rencontre. Là, pour le coup, c'était clairement humoristique, donc c'était vraiment drôle. On applaudit quand même le personnage Roger Le Chauve. Roger le Chauve qui apparaît du coup dans la vidéo Big Up à toi, et merci Pauline pour l'envoi de ces screens. Avouez les gars que ce pack, il est trop beau. Moi, je suis hyper fan, mais c'est la Hesse. Donc voilà, mais il est hyper beau, j'adore la robe, elle est trop belle, la robe elle est magnifique, enfin, je crois que c'est ce qui me plaît le plus, les ailes aussi sont belles, je suis moins fan de la coupe qui est pas hyper originale, je pense qu'ils auraient pu trouver mieux, comme par exemple le chapeau des mecs, celui dans le pack mec, bon, je peux pas vous le montrer là, mais trop beau, et voilà, mais bon par contre ce pack là, je vais pas réussir à faire une imitation de pack, autant celui du mois dernier j'aurais pu, mais autant celui-là, je peux pas faire d'imitation, les gars. Bref, on part directement sur les messages, étant donné que, bah, déjà, l'épisode, les derniers épisodes, j'ai vraiment pas beaucoup de passé de messages, donc je me rattrape dans cet épisode. Mais c'est surtout aussi que j'ai pas eu forcément beaucoup de screens, enfin si j'en ai eu beaucoup, mais beaucoup qui se répétaient, qu'on a déjà eu, et pas de nouveautés, entre guillemets. Du coup, on passe aux messages. Et Quinzel, je vais t'expliquer une situation bug. En gros, j'ai enlevé une fille qui me spammait pour que je la rejoigne dans sa chambre. Et elle, en fait, elle arrivait toujours à me demander de la rejoindre alors que je l'ai enlevée de mes amis. Voilà, c'était ma situation bug. Alors pour ta situation, peut-être je pense qu'il y a un petit moment de latence entre le moment où tu l'enlèves de tes amis. Après, si tu veux vraiment qu'elle arrête de te spammer, il y a une solution secondaire hein, qui est tout simplement de la bloquer. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, elle pourra plus du tout t'inviter ou t'envoyer de messages. Salut Quinzel, donc c'est de la part d'Andrea. Aujourd'hui, je vais te dire une situation. En fait, j'étais allée sur mon profil pour voir j'ai combien de vues.
et ça m'a rapporté 2 Star Coins. Donc je me suis amusée à faire ça tout le temps. Voilà, petite situation. Voilà, bis, sinon je t'adore. Merci beaucoup. Quand vous avez ce genre de bug, n'hésitez pas à noter le nombre de Star Coins ou de Fame que vous avez. Parce que souvent, quand il y a des trucs comme ça de bug, et ben après ça vous retire ce que vous avez gagné grâce à ce bug. Ça arrive très 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 souvent. Donc on a l'impression de gagner, mais au final on gagne pas forcément parce que ça enlève au final ce qu'on a gagné. D'ailleurs on va voir, donc elle dit qu'elle gagne 2 Star Coins sans avoir son profil. Je vais aller voir mon profil, mais moi j'ai rien gagné du tout. Pour voir le nombre de vues. Alors, si j'ai bien compris, c'est là, oula, quand même, hein, 1590 vues, hein, la situation. Mais ouais, du coup, moi j'ai rien gagné du tout, donc effectivement, ça doit être un bug. Et là, Miss Pop App qui me dit quoi? T'es un mec? Oui, j'ai décidé, je me suis remise en. Enfin, du coup, je me suis remis en question. Et j'ai décidé de devenir un homme car j'en avais marre de devoir m'asseoir sur des toilettes pour faire pipi. Et depuis cet instant que je suis devenue un homme sur mon compte Carzel YouTube, et bien quand je vais aux toilettes, je fais pipi debout. Excellent! Pour cette situation, je monte pas la première ligne car il y a un pseudo et mon but n'est pas que vous alliez harceler ou quoi que ce soit, étant donné que je ne peux pas non plus vérifier la véracité des propos. Donc si vous m'envoyez des situations, essayez de ne pas mettre de pseudo comme ça, pour moi c'est plus simple. Voilà, donc en gros c'est GabiCoco51 qui dit que y a sa best qui faisait un concours pour GG un compte qui était niveau 8. Donc on continue à là, je lui ai fait 2 souhaits pour participer à son concours, j'en ai eu pour 1500 Star Coins de souhaits. Je lui demande si c'est possible d'avancer la date de la fin du concours car je pars en vacances. Elle me répond non et de toute façon s'il n'y a que moi qui participe, elle annulera le concours. Moi je lui dis que c'est pas juste car j'ai payé et qu'en plus le compte qu'elle donne est pas terrible et elle commence à comparer ce qu'on a payé chacune. Alors déjà pour répondre là, je pense que... c'est pas dans son intérêt pour son concours d'avancer entre guillemets la date du concours, donc sur ce coup là je peux pas lui en vouloir personnellement. Je pense que toi même par la suite j'ai vu tes messages, ça te dérangeait pas non plus, voilà, t'as posé la question, il y a pas de souci. Par contre je ne suis absolument pas fan des gens qui lancent des concours et qui disent ouais de toute façon s'il y a pas assez de participants le concours est annulé. Non, je pense qu'à partir du moment où tu lances un concours, qu'il y ait une personne ou 1000 personnes, ton concours, tu dois le tenir jusqu'au bout. Ça me fait penser un petit peu, hein, on va remuer le couteau dans la plaie de certaines personnes peut-être qui se reconnaîtront. Mais les gens qui font des lives MSP sur YouTube pour faire gagner des trucs à tel ou tel nombre d'abonnements, etc. Et qui, dès qu'ils arrivent à ce compteur-là, en fait, bon, je dois aller manger, y a maman qui m'appelle, je dois aller manger vite 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 et coupe le live, hein. On la connaît celle-là, on l'a vécu, hein. et du coup voilà, bon, continuons. Et puis elle me dit que ce sera le 30 juillet point barre, je m'excuse et je lui dis que c'était une simple question. Le lendemain elle me dit qu'elle ne veut plus être ma best et je lui réponds pardon. Elle me dit que en fait c'était une expérience sociale et qu'elle ne voulait pas de moi comme best. Je lui dis que c'était honteux de gratter comme ça. Après, je lui demande si elle fait des études de sociologie. Je pleure de rire. Elle me dit de plus lui parler et elle me bloque. Voilà, j'espère que ça aura plu. J'espère passer en vidéo. Bisous. J'espère que tu m'iras. Bah écoute, je t'ai lu. Bah, je trouve que... Enfin, désolé, hein, mais ta best, pas ouf, quoi. Hein. Voilà, quoi. Comment t'as pu la mettre en best, déjà? Est-ce que tu la connaissais depuis longtemps? J'espère pas, parce que, bon, voilà, retirer quelqu'un comme ça de ses bests juste pour, bah, de souhait, finalement. Bon, après, je sais que 1500 Starcoins, ça peut être vraiment beaucoup pour certaines personnes. Mais, voilà, arriver à enlever quelqu'un de ses bests en lui volant 2 cadeaux de valeur de 1500 Starcoins pour un faux concours, c'est pas ouf du tout, c'est dégueulasse, hein. Bon, en tout cas, j'espère que tu t'as trouvé de meilleures bestes cette fois-ci, GabiCoco. Hein. Et dernier message de la part de Olive Citron, j'aime bien ton pseudo. Salut Quinzel, j'ai encore une situation pour toi. Je voulais te faire un cadeau sur ton compte principal, sauf que quand je cliquais sur les cheveux, ça affichait que je ne pouvais te l'offrir parce que tu n'étais pas une fille. Bizarre, non?
Alors bizarre oui et non, mais ça se justifie totalement parce que actuellement mon compte Quinzel YouTube et le compte de Madame Toilette sur YouTube sont des comptes qui ont le physique d'un garçon. Il y a quelques temps, plus d'un mois, il y a eu une énorme faille de sécurité sur Movistar Planet et quasiment la totalité des personnes du top sont devenues des hommes. Donc si tu regardes bien mon compte Quinzel, tu verras que j'ai une tête d'homme, voilà tout simplement. Et du coup le jeu me considère comme un homme, donc par exemple sur le compte 15 à YouTube, et eh bien mon pack s'affiche comme étant un pack pour les garçons si je veux en acheter un, donc ça m'embête un peu parce que du coup je peux pas vraiment prendre deux packs. Voilà, donc c'est normal, mais en même temps c'est pas normal parce que tout simplement ça fait un mois que j'envoyais un mail à Movistar Planet et j'attends toujours de récupérer mon corps de femme. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne puissiez pas envoyer de cadeaux filles sur mon compte principal, ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse, je fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.